Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Ici, c'est Cardwell Bombi, ton expert du marché chinois. Ça fait longtemps que je suis en Chine, que je te conseille. Pour ceux qui me suivent déjà, merci beaucoup pour les 10 000 abonnés. C'était un challenge pour moi parce que je me disais que je devais savoir si ce que je fais a vraiment de l'importance par rapport aussi au nombre d'abonnés. Nous savons tous que s'abonner en une chaîne, ce n'est pas une chose facile. On peut certainement, il y a beaucoup de gens qui nous regardent aussi sans être abonnés, puisque quand nous regardons le nombre de vues sur les vidéos, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui nous suivent, mais ils ne s'abonnent pas. Donc, du coup, c'était pour moi aussi une manière de voir si ce que je fais était bien, si beaucoup de gens appréciaient par rapport à cela. Mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Pour cette vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé lors de cette visite. J'ai eu à visiter une usine de fabrication. En tout cas, c'est une usine, ce n'est pas un fournisseur. Il y a une différence entre être simplement un fournisseur et être l'usine. Donc, ce que j'ai visité, c'est une usine. L'usine, c'est Hongjiang. Donc, j'ai visité cette usine, c'est ici à Shandong, vers chez nous ici. Et l'objectif, c'était pour aller voir exactement ce qu'ils font. Mais ce qu'ils produisent, en fait, c'est très nécessaire, c'est très important pour tous ceux qui veulent faire du business, surtout en Afrique, parce que j'ai eu à visiter des machines de construction. Lorsqu'on parle de machines de construction, eux, ils produisent ce qui est très nécessaire, très très nécessaire et très rare en Afrique. Par exemple, les machines de différentes manières pour la construction, il y a les peu, il y a les pelles en fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça avec le langage réellement de. Avec un langage professionnel du domaine, il y a des pellettes, je crois bien, machines à pelles, ce qui va te permettre de creuser. J'ai vu aussi des machines qu'on peut utiliser aussi agricoles. Machines agricoles, j'ai aussi vu. Je vous présenterai en image, vous verrez. J'ai aussi vu des machines, surtout pour le forage. Alors ça m'a vraiment intéressé. Il y a deux types de machines à forage, en fait. Il y a une machine pour creuser, faire sortir de l'eau. Il y a une autre machine pour l'exploration. Donc ça, c'est très important parce que ceux qui sont du domaine comprennent très bien, ça permet d'étudier le sol en fait. Lorsque toute personne construit, normalement, il faut d'abord appeler les topographes. Et les topographes vont utiliser cette machine-là, l'explorateur. Ça permet de creuser et savoir analyser ces différents types de couches de sable, en fait, jusqu'à atteindre le sable, différents types de terre. Ils ont étudié ça, mais la machine qu'il faut, c'est ce que vous voyez en vidéo, en fait, ce que vous allez voir tout à l'heure d'ailleurs. J'étais avec leur ingénieur qui m'expliquait un peu ces différentes machines. C'est vrai, nous avons parlé en anglais, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais mettre la description en fait en français pour vous permettre de comprendre en fait comment ça se passe. Et donc, j'ai visité cette usine-là, j'ai eu à voir ce qu'ils ont, ce qu'ils présentent, et vraiment, les prix sont très bons. Et pour ceux qui vont être intéressés, n'oubliez pas, sur cette chaîne, l'objectif est de vous pousser à investir. C'est pour vous orienter d'investissement. Et moi, ça me fait plaisir lorsque je reçois des feedbacks, lorsque je reçois des commentaires du genre que je me suis lancé grâce à votre chaîne, grâce à vos conseils. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est ça l'objectif en fait. Donc, il y a des choses que nous vendons, telles que nous vendons des services. Si tu ne sais pas encore où trouver nos services, allez sur le site internet www.businessinchina.fr. C'est là-bas que vous trouverez ce que nous pouvons faire. Mais ce que nous montrons ici sur YouTube, ça ne veut pas forcément dire que vous devez nous appeler pour savoir ou bien pour qu'on le fasse ensemble. Nous pouvons vous assister très bien par rapport à nos services, tels que par exemple ce que vous voyez en image, ces machines-là. Nous avons le contact de cette usine et pour ceux qui vont s'intéresser à cela, ils vont nous contacter, ils vont signer un contrat de service avec nous afin que nous contactons cette usine et nous allons donner la demande, en fait, votre demande, en fait, puisque vous allez nous soumettre votre demande à vous, nous allons soumettre la demande auprès de l'usine. Cette usine va donner sa facture, ça peut être la facture pro forma, on vous l'envoie, soit encore on vous met en relation directement. Et lorsque vous décidez d'acheter, nous serons toujours là pour veiller à ce que l'usine fasse exactement ce que vous voulez en fait. Donc c'est ça notre importance, c'est de veiller à ce que l'usine ou un fournisseur fasse exactement ce que vous voulez.
et si c'est la commande de telle chose, nous allons aller sur place vérifier cette chose-là. Est-ce que le fournisseur a bien livré ce que vous voulez, en fait, ce que vous avez payé? Et à ce moment-là, le contrat va finir. Donc, notre travail, c'est d'être là, veiller à ce que vos commandes soient respectées et que vous recevez. Imaginez-vous, vous êtes très loin de la Chine et après que la marchandise a quitté la Chine, ça arrive chez vous et ce n'est pas ce que vous avez commandé. Beaucoup de gens subissent. Si vous êtes honnête, je pense que vous pourrez aussi dire dans les commentaires afin que les autres aussi puissent savoir que c'est vrai ce que je dis. Beaucoup de gens reçoivent autre chose. Voilà pourquoi Business in China, BIC, est ici en fait pour éviter ce genre de problème. Autrefois, vous étiez en train de venir en Chine en dépensant vos billets, en dépensant le délai qu'il faut rester ici en Chine. Surtout actuellement avec la quarantaine de 2 semaines dans l'hôtel, il faut au moins prévoir au moins 1 million pour finir la quarantaine. Et donc, c'est très difficile et ça va vous coûter énorme. Mais BIC, notre compagnie, ça va exactement faire ce que vous devriez faire vous-même ici. Donc, nous allons aller sur place voir le fournisseur et passer la commande exactement ce que vous voulez et vous payez peut-être que la moitié du budget que vous devriez avoir ou dépenser si vous venez en Chine en fait. Donc c'est un peu ça et j'avais dit aussi que tous ceux qui penseront que vous n'avez pas un budget pour payer nos services, ne nous contactez pas, mais suivez seulement nos vidéos, c'est très important pour vous permettre aussi de se lancer. Je vous laisse donc à présent suivre l'intégralité de la vidéo, ma conversation et ma visite aussi dans cette usine-là, afin que vous découvriez, ça peut aussi vous donner l'idée de ce que vous voulez faire. Et si vous êtes une compagnie, vous êtes à la recherche de ces machines-là, n'hésitez pas à nous contacter, car nous sommes disponibles et nos contacts sont là. Vous pourrez facilement nous joindre. Alors, suivez la vidéo et faites-moi signe. Merci. Hello, this is our warehouse. Oh, this is the warehouse. Warehouse, yeah. Okay, let's go and see the warehouse then. So, this is the place where after you produce, you put the machines. Different machine. Put in this warehouse. Yeah. And, this is a smaller crawler excavator. Okay. From 1 ton to 3.5 tons. 1 ton to 3.5 tons. And this side is our generic. Yeah. Hydraulic generic, pneumatic generic, and exploration generic. As I said before, we produce different water well generic from 100 meters to the 1,000 meters. 1,000 meters. As you can see, the different type. Yeah. So I've seen this one. Look at this red one, the blue one, and the orange one. Okay. They're all different. These three types of generic have a special name, DTH generic. DTH means down the hole. Okay. And the main function of this generator is used for the mine blasting hole. Okay. Kuang San Bo Poku. And it has the drain depth only 20 from 30 meters. Okay, from 20 to 30. But it has a high exit rate, 很高效, 非常高效. Okay, so these are for water? No. Not mine water. Blasting hole. Bo Poku. Okay, I see that. I see. So there are three types, yeah? Yes. So what's the difference between the orange, the blue, and the red one? Different power, different diameter, and different deep. Oh, different deep. So what's the biggest one? I mean the longest deep one? The max deep is 50 meters. 50 meters. That's the maximum. The general tip is 20 from 30. The maximum tip is 50. I see that. All right. Yeah. So you call this one? You said there's a special name for this one? That's DTH, down the hole. DTH. Hole. Down the hole. And hole, yeah. I see that. Different wood bags. Oh, different wood bags. Okay. So these are all ready to ship. Where are you going to ship this one? Huh? Where are you going to ship this one? To Africa, Europe? To Malaysia? Yeah. Okay. Yeah, all this to Malaysia. Oh yeah, I see. And this. Yeah. As I said before, if you want to use the pneumatic generator, you must work with the air compressor. Yeah. And these things.
with a different type of high compressor. High compressor. If you just want to drill. This is to generate electricity, yeah? Yes. For electricity. If you want to just drill 100 meters, yeah. You can use a smaller air compressor. Yeah. If you want to drill 15 or even 1,000 tips, you must use a bigger air compressor and with two sides or three sides. Length from 1 meter, 2 meters, 3 meters, and 6 meters. 6 meters. Yeah. The small wooden bags, mm-hmm. a wooden box is a drill bit, mm-hmm. and the second type is an impactor. Yeah. And from that one that I see there. What's that? Okay. Okay, I've seen this one. So wait, just wait. 能被打开了吗？打开了。我看看。大家一下。没有那个，我跟那小鱼。主要是我对那个不太熟。 Okay, so I've seen this. This is, how do you call this one? 22 tons. Crawler 220, I think. 22. 22. The model is. The model is 220. 220. The tons is 22. Oh, the tons is 22 tons. Yes. Okay. This is the biggest one? No, the biggest one is 40. It's 40. Wow. So this is like the medium one, the middle. Yes, middle one. Yeah, I see that. Wow, this is very good because I see it's very strong. Yes. Yeah. Is it like the one that you produced this year or last year? This year. This is for this year? Yes. Okay, like 去年. 去年 is last year. 去年 is last year. Okay, sorry. Okay, all right. So I would like to try this one. Like this is my first time, you know, to see this kind of machines. Okay. I would like to drive it. Can okay. I drive it? Okay, are you ready, no man? Problem. I'm gonna drive this one. Let's go. Okay. And then. See ya. Can you teach me how to drive this one? 你脚在那这么长了。首先，我们要进行一个打火操作。用钥匙。一扣是通电。然后两扣。它就可以转向。然后。我们把它挪到一个空旷的地方。你把它开到一个空旷的地方。如果你，你推的越快，你也可以用脚控制。你的脚放在这个上面。 对，往前，然后这个脚也是一样，对，这样就解放你。然后还有翻，还可以，然后向后拉。 然后你刚才问我，他要怎么样才能看到后面是吧？对。Wow, this is very good. You know, I just drove this one here. I drove this one. It's very easy. It takes around 5 minutes to drive this one. To learn how to drive, it's very easy. I've done that. Okay.